La solidarité s'organise du côté de Wattrelos. Suite à l'incendie d'une maison, le CCAS de Wattrelos a lancé un appel aux dons. Le Centre communal d'action sociale récolte des vêtements, de l'électroménager, des couvertures ou encore des jouets. Objectif, venir en aide à une famille de 4 enfants il y a quelques jours. Leur maison partait en fumée. L'incendie n'a pas fait de victimes, mais tout a été emporté. Les dégâts matériels sont considérables. La famille attend maintenant de retrouver une maison remise en état. Les précisions sur ces dons possibles auprès du CCAS de Wattrelos. Et puis vous entendrez juste après le père de famille. Comme vous pouvez constater, on a beaucoup de vêtements qui ont été récoltés, les pantalons. Tout a déjà été trié par le personnel de la mairie. Des chemises pour les pulls, des survêtements, des t-shirts. On a également du linge de bain. Ce qu'on pourrait effectivement envisager, ça serait par exemple un mini-four ou un micro-ondes. Et puis encore un peu de vaisselle, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup de vaisselle. Encore un peu de couverture, c'est important. Et des jouets pour les enfants. Je ne sais pas si tout le monde peut donner par rapport à leurs moyens aussi, quoi. Parce que nous, on touche à nous deux simplement 900 euros, quoi. Moi, j'ai pas de pension, pourtant je suis reconnu travailleur handicapé, j'ai rien. Donc, on a fait les papiers administratifs pour dire que tout se déroule comme il faut, quoi. Je remercie tout le monde pour le geste qu'ils ont fait et bon courage à vous. Nous, on va se remettre un petit peu à la foi.